Cera. C'est beautiful. Ça là, c'est plus que gel. C'est plus que gel la même. Non, hein, c'est lavé hein, ça maintenant. Plus que c'est plus que gel. C'est du bois là, ça qui est le problème. Comment ça? Ah, c'est bois. En fait, si tu bois, ça peut te faire mal. Ok. Ils ont volé mon cache-nez. Tu sais comment on appelle ça? Hein? Tu peux parler. Il te dit ça en obé. Ou bien en guéri. Tu sais comment on appelle ça? Non. Bon. Tu connais ça? Comment on appelle ça en Yakuba? Bon, bonjour à tous. Bon, là je suis à ma ferme. Je suis venu passer la journée ici aujourd'hui. Mais par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas faire comme si rien n'était, d'accord? Par rapport à cette pandémie là, je vous exhorte vraiment à laver vos mains à chaque fois que vous touchez à quelque chose, à chaque fois que vous sortez. Et quand vous finissez de laver vos mains, n'oubliez pas ça, le gel, d'accord? Et passez dans vos mains, c'est très important. Voilà. Bien vous frotter les mains avec. C'est très important. Et puis aussi ça, le cache-nez, quand vous sortez. D'accord? Donc, vous allez passer la journée avec moi aujourd'hui. Je rentre. Entre et puis tu fermes. Abuel là, ça suffit pas. Hein. Bon, là c'est ma ferme, je suis avec mes poules. Je vais ramasser les œufs un peu. On se lave les mains, c'est important, ok? Maintenant, comme je vous ai dit, avance un peu. Si dit ça en guéri, hein? En bon, y'a ma tchèque, ouais, bien y est. Elle m'a dit, oui, tout ni nos ongles, pour un diable. Ah, oui, hein? Bon, ah, ou dire quoi, ta djonka. D'ailleurs, tout une des ombres aussi, on va ou dire, mais ah, ou dire quoi? Ouais, bien, wada, gel, quand. Et quand? Pas oublier, ah, y'a quoi, il crie. Que bah, ça va, y'a si, hein? Ah, oui. Alors, son entier est dans nous. Au point de vue, il est sien. Ok, même ma dit qu'il est où? On est d'accord, hein? On est ensemble. Ha ha ha!
si elle dit en Djula aussi. Mbadé. Coronavirus Béa. Ambetoué Broco. Hein? Broco ni les deux. Mon frère, mon Djula est fini. Ambetoué Broco. Hé, mes frères, c'est nous faux là. Les esclaves là. Lavez vos mains. Lavez vos mains. Même si vous ne vous lavez pas, laissez-nous faux là. Lavez vos mains. Vous comprenez? Lavez un peu vos mains. Là encore, on va vous demander pardon. Hein? Et tout, mais c'est très important là. Cette pandémie là, essayons de tout faire pour la stopper, tout en écoutant ce que le gouvernement nous dit de faire. D'accord? C'est que c'est pour notre santé, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents, tout ça, et tout. C'est très important. C'est très important. Donc n'oubliez pas, comme on le dit, de vous laver régulièrement les mains. Hein? Mes frères, c'est nous faut les esclaves là. Aïe broco, aïe samarissa. Hein? Même ni à Teko, à Ebroko, à Savari. Hein? C'est important. Quand vous éternuez aussi, mettez le éternuer dans votre cou, c'est très important. Hein? Actuellement à Bouboula. Si tu as éternué, tu n'as pas mis ta main. Même si tu as éternué, on t'attrape en même temps. C'est pas clair. En même temps, oui. Quand vous êtes personne comme ça, là, descends. Viens là, viens. Ça c'est une poule guérée. Les gros yeux là, ça c'est les poules guérées. Elles sont fortes. Les poules, c'est nouveau là. Attends de m'en dire. Vous savez même. Yeah. Voilà, œuf de poule, c'est nouveau. Il y a œuf de poule guéri. Merci. Vous faites frontus comme ça. C'est même pas à faire, là. Quand t'es têtu, on dirait une poule à bobolaise, hein, ici. Dis-lui. Ouais, il est. Thierry, vous ramassez l'autre côté là-bas. Et là-bas. Et là, quand j'ai rempli, tu viens chercher, non? Je fais ça sur comme 10, sur mes 5. Thank you.
te faire quand tu marches encore. La famille, j'espère que vous allez bien en ces temps qui courent, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. C'est clair que c'est pas facile, on essaie de s'occuper comme on peut, mais par la grâce de Dieu, tout va changer, ça va bien, ça va aller bientôt. Ça va aller, tout va, bisous femme, pardon. Donc, comme je vous ai dit, on essaie de faire comme on peut. Gardez surtout le moral. Gardez le moral. Ne vous laissez pas berner par ce que les gens disent pour essayer de vous mélanger la tête et tout. D'accord? C'est vrai que c'est pas facile, mais on est déjà né. On va faire comment? On va faire comment? Donc, les poules là sont en jaillir. Quand elles me voient, elles pleurent en même temps. Elles pleurent de joie. Je suis les barbas. Ou bien, bis. Gardez le moral, hein? Tout ce que Dieu fait est bon. On doit rester soudés, c'est important. D'accord? Donc, ça me fait plaisir de passer cette journée-là avec vous aujourd'hui. Voilà, vous voyez là, je suis en train de ramasser. Il y a quoi? Vous allez faire, les gens vont dire que dans ma vie, j'aime pleurer, c'est comme ça, mes poules pleurent. Vous êtes bizarre, hein? Allons là-bas, il vient. Oh. Et poule, pacpato, hein. Ça, c'est cassé. Faut leur dire de ramasser l'autre côté là-bas. Hein. Si elle finit pour moi, et puis ils n'ont pas fini là. Ça veut dire que. Vous voyez un peu? Les poules, c'est nouveau. Les poules, c'est nouveau. Elles sont paresseuses. Rien œuf de poule, c'est nouveau. Hein? Et puis rien pour œuf de poule guérie. C'est pas la même chose, hein? Ouais, je viens. Allons là-bas. Il vient. Allons. Bisous. Tu sais ce que tu fais? Faut qu'on vienne prendre. Faut dire. Thierry. DJ. Thierry, viens prendre ce qu'il y a ramassé. Bisous, va là-bas. Faut pas, ils vont casser ça. Rentre pour prendre ce que j'ai tué déjà là. T'as déjà au repos aujourd'hui? Faut aller ramasser. Faut mettre ça à côté là-bas. Fais attention. Il y a quoi même? Vous êtes pas toi, hein? Ouais.
Soro. Soro est où? Et vous, les sénoufos là, il y a un point sénoufos ici. Deux, viens, ça ici, viens la vidéo là. Quand on vous parle, quand il dit, si votre chien vous passez, il est là. Quand il parle, parce que Jean, il parle pour parler. Hein? Donne-moi, il y a là, dis le vrai nom. Hé, hey, tu m'as dit, appelez Soro pour moi. Quand il vous dit que. Et si votre chef, vous pensez que c'est pourri. Hein? Moi, j'en plein, c'est nouveau ici. Et puis quand il parle, il est pas si fait, vous voulez parler à moi. Et puis, depuis là, ici, là, il se lave pas. Vous allez le voir. Soro se lave pas, hein. Il se lave jamais. Mon frère Boué Sibi Olivier. Tu es en direct. Boué Sibi Olivier. C'est comment? Oh, il y a quoi même? On dit quoi bateau comme ça même? Allez-y là-bas, il vient. Hein? Ouais, ouvert. Hey! C'est nous faut là, viens ici, viens. Viens, t'as dit la vérité à tes frères, c'est nous faut ici. Soro, viens ici. Mais Soro Guillaume, c'est mon petit. Mais Soro Guillaume, le bon Koulibaly, c'est mes petits. Moi, il parle, vous parlez aussi. Vous n'avez pas honte, hein? Hein? Voilà, viens. Voilà votre frère, c'est nous faut là. Voilà Soro. C'est qui le chef ici? C'est toi. Faut parler fort. C'est toi. Non, ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu. C'est qui le chef ici? Ils ont entendu. C'est Serré. C'est qui? C'est Serré. Voilà. Et puis, c'est qui le chef de ces nouveaux? C'est Soro. Hey! Attends, je viens. Attends, je vais poser F là. Là. Il n'y a pas chef de ces nouveaux. Hein. Il n'y a pas chef de ces nouveaux. Il dit, il n'y a pas de chef de ce nouveau. Bon, venez chercher votre frère. Nous-mêmes, on est chef. Vous êtes chef de qui? Hé, hey, bon, tu es renvoyé. Hé, hey. Merci. Tu es renvoyé. Faut prendre tes affaires, faut quitter ici. C'est bon, c'est fini. Tu es renvoyé, Soro. Même les gonds Koulibaly, le petit là, Soro, c'est mes petits. Ça, c'est mes petits. Et puis il a oublié, hein, tu t'es pas lavé, puis tu es venu à côté de moi comme ça, ça me plaît pas même. Ça me plaît pas, il y a une odeur bizarre même qui est restée. Bise, attends, il reste un œuf là. Où ça? Ah, c'est bon signe. Bise, et là, il y en a à terre encore. Pourquoi vous pondez à terre? Pourquoi vous allez pondre la tête? Ça, c'est le poulet Yakuba, là. Hein? Les poules gouro, là. Voilà, il faut compléter sur un, là. Et puis, tu mets ça à la porte, là. Ils vont prendre ça. Et puis, ils ont tabassé un bis. Hein? Chéri, viens prendre l'autre, là. On a gué ça. Elles font ça à terre aussi. Hein. J'espère que vous ne vous ennuyez pas. Hein. Écoutez, voilà, je voulais vous faire partager un peu ce que je suis en train de faire. Parce que voilà, là j'ai ramassé jusqu'à là-bas. Après, derrière là-bas encore, il y a un autre. Et puis voilà un autre bâtiment qui est là-bas encore. Ils sont en train de ramasser. Ça fait beaucoup de bien de passer du temps comme ça. Ça fait beaucoup de bien en tout cas. J'espère que vous ne vous ennuyez pas. Dès que vous ennuyez, dites-moi, il y a coupé au... Oh, les gourous. Toi, tu dis, c'est arrivé sur les gourous. Est-ce que gourous, c'est l'homme? Hein? Est-ce que gourous, c'est l'homme? Quand il y a... Balthazar, tout voli, il est chauve.
Tous les bourreaux sont chauves. Hein? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a un poulet cocato. Y'a quoi? Y'a quoi? Tu es gourou? Tu es gourou? Bi. Tous les gourous sont des bi. Tous les gourous sont des bi. Les bi seulement. Hein? Essayez de vous revoir. Hein? C'est bon maintenant. Depuis on parle de gourous, tu es là, tu te fasses. Oh. Je parle plus, c'est bon. Toi, t'es gourou ou bien? T'es gourou. Toi, t'es bizarre. Hein? T'es bizarre. Hein? Bon, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est lave pas. Oh, allons là-bas. Il y a du gourou, tu parles. Il y a du c'est nouveau, tu parles. Il y a qu'à faire quoi pour toi? Bon, viens. Là, voilà. Et va faire tomber œuf là. Bisous. Avion, ça n'est pas bon. Thierry. Voilà, c'est pas bon. T'as vu? Comment c'est pas bon? Tu vois quoi? Non, bisous, c'est la même chose. C'est comme à la famille. Si les gens l'ont fini avant moi, ça me fait mal. Hein. Il reste combien de trucs? Quitte ici. Allez, avance. Quitte ici. Allez, allons. Allons devant là-bas. Ici, là, il n'y a pas trop de gros. L'autre côté, là, c'était gros comme ça. Ah, il y a quelques gros quand même. Les gars, n'oubliez pas, oh. N'oubliez pas de vous laver les mains. Et puis, bah, voilà, j'ai oublié de vous dire. Moi, je suis fatigué de voir hein, les vidéos où on fait danser les gens là. Hein, on fait danser les gens. Arrêtez de violer le couvre-feu. Quand on vous frappe là, ça vous plaît comme ça quoi. Moi, ça me fait mal. Hein. Pardonnez, respectez le couvre-feu. Hein. Respectez le couvre-feu, c'est important. Parce que quand on voit les vidéos où ils sont en train de vous frapper là, ça fait mal au cœur, mais en même temps, ils ont raison. Ou bien. Hein, ça fait mal au cœur. Moi-même ici là, je sais que si ils m'ont attrapé dehors dans le couvre-feu là, ils vont me dire de pleurer. Ça c'est un. Pleure, on va te filmer. Ah Seigneur, quand on dit 18h ici à la maison. C'est quelle honte ça. Moi, tu as m'attrapé dehors là-bas, tu as me frappé. Moi, non, je ne suis pas prêt. Yeah. Et puis le corps habillé, quand il frappe là, il ne donnait pas l'air, peut-être le corps habillé là. Sago lui a donné un gourmet aigu. Et puis toi, il t'attrape dans le couvre-feu. Mais tu vas payer tout. Tu vas tout payer. Le matin même, le mono s'est levé. Il voulait faire un coup. Elle dit non. Bon, il est resté le discours là comme ça. Jusqu'à 21h03, lui il t'attrape. Toi tu es un homme mort. Hein? Pourquoi? Il est en train de te frapper. Hein? Il te demande pourquoi tu es dehors. Entends dans son cœur là-bas là. Il dit, dans son cœur là-bas, il dit pourquoi elle a refusé de me donner un. Et puis c'est toi il frappe. Pourquoi? Hein? Pourquoi elle a refusé? Sinon nos corps habillés, vous savez qu'ils sont gentils. Vous savez que c'est des gars qui comprennent aussi des situations. Les monos, pardonnez, sciences, quand vous attrapez nos mamans là, ne les frappez pas. Si c'est nous autres là, frappez-nous. Hein. Nous, frappez-nous même. Toi, t'es mono, tu m'as attrapé. Faut me dire même, c'est pas grave. C'est pas un problème. Hein? Le mono.
Le mono qui m'a attrapé, il m'a attrapé à 21h. Faut me d'abat même, il y a feuille. Mais pardonnez, quand c'est nos mamans là, hein. Et nos grandes soeurs, la science. Mais nos petits, c'est la frapper les. Abo, bissi. Nos petits, c'est la frapper les. Elles restent pas à la maison. Mais nos mamans, hein, nos grandes soeurs là. Souvent, elles sont dans les mouvements où couffé les attrape. Hein, les vieux pères. Science un peu, ou bien. C'est vous les hommes forts, on sait. C'est vous qui nous protégez. Vous surveillez le pays, tout ça, on est au courant de ça. Vous donnez vos poitrines pour nous, il y a feuille. Mais pardonnez, ne frappez pas nos mamans là, ça fait trop mal, voilà. Ne frappez pas les mamans là. Hein? Les mamans là, c'est censé. Vous pouvez les accompagner. Hein? Ou bien. Ça va être beau, d'accord? De les accompagner, de dire, ah maman, c'est la dernière fois, il ne faut plus faire ça, d'accord? Mais quand vous les frappez, quand vous avez mal au cœur, hein, le vieux. T'imagines, tu es à la maison, tu vois ta maman sur Facebook en train de la frapper. La mort est mieux. Mais les mamans, sciences aussi, hein. Restez à la maison. Hein? Restez à la maison. C'est vrai, c'est difficile. Si vous restez à la maison, qui va aller chercher pour les enfants? Il y a d'autres mamans qui sont obligées d'aller chercher pour donner à manger aux enfants et tout. Ça se comprend, maman, mais il faut regarder l'heure, quoi, tu vois. Essayez de voir l'heure et puis vous adapter. Parce que le couvre-feu, là, c'est pour nous tous. Tout ce qu'on dit en ce moment, c'est... D'accord? Donc nos mamans, comme je disais, sciencez, on sait que hein, vous devez sortir pour qu'il y ait à manger à la maison. Mais essayez de faire ça un peu plus tôt. Oh ben. Essayez de faire ça un peu plus tôt. Parce que quand on vous frappe là, nous, ça nous fait mal. Hein. Pourquoi vous mentir? Allons, poussez. Ouh, ici, il y a beaucoup. Regardez les yeux là. Ça, c'est des poules guérées. Elles sont courageuses. Ça, c'est que des poules guérées, ça. Merde. Amon, son gengé, il dit, hein? Il dit, hein? Mais regardez les poules, c'est une faux. Regardez les poules, c'est une faux. Toi qui es ici, toi, je suis que tu es une poule, c'est une faux. Qui est ici? Regardez les poules, c'est une faux. Regardez les poules guérées. Et regardez les poules bourreaux. Il n'y a rien dedans. Poules bourreaux, paresseuses. Hein? Vous êtes comment même? Vous êtes comment même? Là, la famille, parlez aux gourous et puis les info là. Hein? Parlez aux gourous et les info là. Pardon, qui dit ici? La prochaine vague là, je vais prendre que des poules guéries. J'aime pas les poules info. Les poules, elles sont paresseuses. Il y a quoi? C'est forcé ou bien? Pousse là-bas. Pousse là-bas, je viens. Bisous. À viol, ça là, ça ne me rassure pas. Ça me rassure. Enlève ça. Dehors, c'est mieux. Les avioles là sont pas trop trucs. Tu vois comment c'est? C'est risqué au fait. Non, c'est bien. Hein? En bas, c'est bien aussi. Bon, tu remplis ça? Bon, je vais marcher pour aller voir dans les autres trucs. Attention, il laisse. Viens voir les... Bon, je vais vous montrer un peu. Comme je vous disais tout à l'heure. Bon, on va commencer là-bas. Hein. Et puis on s'en va de l'autre côté. Hein. On va ramasser là. Ça, j'ai pas fini ça maintenant. Là. Je vais ramasser ici aussi. Sont regroupés là, par terre, les poules et tout. Souvent, elles pondent par terre aussi. Elles pondent par terre, donc souvent, dans la marche là, faut pas que je ramasse là aussi. Ramasse là. La main aussi.
Poulet guerrières en fente seulement. Bon, ça se termine là, ça continue l'autre côté là-bas. Mais il faut que je saute pour aller l'autre côté. Mais non. Voilà les autres ici. Mais il n'y a personne qui ramasse. Thierry! Mais il n'y a personne dans les autres bâtiments là. Voilà, et puis là, travail c'est en train de faire là. Il a facturé l'heure et puis il a coupé sur vos salaires aussi. Ah, tellement tout est confiné. Hein. Même les efforts sont confinés. Poire. Ouais, la famille. Bon, comme je vous disais, c'était juste pour vous faire passer un jeu de moment avec moi. Habituellement, je mets la musique, j'essaie d'enjailler et tout. Voilà. Elles pondent par terre. Ça, c'est des poules indisciplinées qui pondent comme ça là. Ça, c'est les poules, c'est nouveau. Hein? Attends, il y a pondoir, mais tu veux pas. Hein? Oh. Regardez-moi ça. Elles pondent partout à terre. Hein? On dit il faut pondre ici. Toi tu dis non, tu ponds ici. Si c'est pas une discipline, c'est nous faut même. C'est nous faut même. C'est pas la peine. Thierry, les aveugles là. Faut essayer de voir. C'est devenu un peu en bise, j'aime pas. Tu vois, il y a des cons, tu peux même pas poser. Ça comment? Donne-moi ça comme ça là. Laisse dedans comme ça. Laisse dedans comme ça. Il y a des ramassés là, non? Là, il y a des ramassés là-bas. Non? Bisous, tu ramasses là. Moi, il va l'autre côté. Je suis quoi, Tigue? Je suis là. Il a terminé mon direct là. Il a parlé. Je vais parler, terminer mon direct et puis je continue. Donc, la famille. Comme je vous disais. Il y a travail de poule guérée. Il y a travail de poule guérée là. Il y a travail de poule guérée. Maintenant, il y a travail de poule, c'est nouveau. Ouais, pour Gouro là même. Gouro. Il y a travail de poule guérée. Quand il vous parle, vous pensez qu'il m'amuse. Hein? Vous pensez qu'il m'amuse. Ouais, travail de poule guérée. Merde, c'est une poule de Sikoji. C'est une poule de Sikoji. Sikoji le tout. C'est là-bas qu'elle a quitté la poule guérée là. Elle va tuer. Elle va tuer. Hein? Maintenant, poule c'est nouveau. Regarde, elle a honte. Regarde, t'as honte. T'as honte. Quitte-la, envoie. Quitte-la, envoie. Comment t'as fait? Quitte-la. À la drôme infla. Ali drôme infla. À la. Po. Pat, maintenant, il y a la poule guérée, comme elle a zouqué les yeux là. Hein? Elle a une poule guérée. Elle a zouqué avec les yeux. Merde. Il y a la poule guérée. Oh là 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 là. N'ayez pas honte, c'est pas grave. Hein? C'est pas un débat quoi. C'est une causerie, c'est pas un débat. Ah, tiens, on faut quitter la ramasser. On te parle de poules guéries actuellement. C'est les poules guéries qui sont à la mode. Hein? C'est pas les poules guéries Wobé. Hein? Les poules Wobé aussi, elles sont bien. Les poules Wobé sont bien. Hein? Et on vous parle. On vous parle, vous êtes là. Voilà. Ne riez pas trop. Ne riez pas trop. C'est la vérité, j'ai dit. C'est la vérité, j'ai dit. Vous savez que ce qu'il dit est vrai. Ou bien. Parce que les poules là. Elles représentent les ethnies.
Pouah. Ce qui me fait mal là. Ce qui me fait mal là. C'est qu'il n'y a pas poule d'abobo. Poule d'abobo quoi. Toi aussi. Il y a payé ça bientôt. Elles vont pondre comme ça. Ouah. On est yeah comme ça. Il y a quoi? Attends. Toi, il te voit venir. Il te voit venir. Il te voit venir. Il te voit venir. Alors, si on dit on ne reprend pas football là, je vends poulet, hein, je vends œuf aussi. Si on ne joue plus ballon, je vends poulet. Je vous préviens en même temps. Ça c'est une poule quoi, attention. Que va-t-elle faire? Ça c'est une poule quoi. Ça c'est poule Yakuba même. Oh. Attention. Bon. Je suis content d'avoir passé cette matinée-là avec vous. Hein? J'espère que vous allez bien. Et que cette pandémie-là ne va pas avoir raison de nous. D'accord? N'oubliez pas ce que je vous ai dit. D'accord, les gars? Le gouvernement nous a déjà parlé de ça. D'accord? Lavons-nous les mains. D'accord? Et respectons le couvre-feu aussi. D'accord? Et que Dieu vous protège, qu'il vous garde dans les creux de ses mains. Hein? Que bientôt on sorte comme d'habitude, qu'on puisse s'amuser comme d'habitude, qu'on puisse vaquer à nos occupations comme d'habitude, que Dieu donne à ceux qui n'en ont pas, d'accord? Et un peu on va s'entraider. Et il y a des gens qui m'envoient des... Oh, attention! Il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire « Non, pourquoi tu fais pas des dons ?» Mais c'est pas tout le monde qui aime afficher ce qu'il fait, d'accord? Allons-y doucement. Hein? Quand Dieu t'est béni là, il ne s'arrête pas devant tout le monde pour dire « Oh, je vais bénir ces réseaux aujourd'hui. » Non, il fait ça en plein caisse, tranquille. Donc du coup, quand toi aussi tu donnes, il faut cacher pour donner. J'aimais trop montrer. C'est bon pour l'image et tout. Ok, mais l'image où? Derrière maison ou bien sur terre? Et l'image en haut, c'est ça. Il ne faut pas faire le truc pour avoir les points. Si c'est points là, tout le monde va chercher points. Mais il n'y a rien dans points. Tout est éphémère, on va tous mourir un jour. D'accord? Voilà. Donc, chacun sait comment il est arrivé à un certain niveau. Donc, du coup, moi, mon parcours ne me permet pas, d'accord? Mon parcours ne me permet pas de m'afficher en train de donner quelque chose à quelqu'un, d'accord? Ça, c'est ma conception, c'est ma façon de voir la chose. Donc, du coup, allons-y. Maintenant, j'aimerais préciser une chose. Je reçois beaucoup de messages aussi, de demandes. Ah, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Je réponds au fur et à mesure. D'accord? Et j'aimerais ici signifier que c'est pas une ONG qui me donne quoi que ce soit. Je fais avec ce que j'ai. D'accord? Et on a qu'à se dire la vérité. Je suis pas milliardaire. Mais grâce à Dieu, le peu que j'ai là, j'essaie de partager comme je peux. Et au fur et à mesure. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu soutienne ceux qui sont malades. Que Dieu apporte la guérison à ceux qui sont malades aussi. Et qui nous préserve vraiment de tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas que la pandémie, il y a aussi des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui sont malades mais d'une autre maladie, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Franchement, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la force. Une seule personne ne peut pas tout faire, mais une seule personne peut donner la force à plusieurs personnes de faire les choses. Ici avec vous, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, hein. C'était moi. Ciao les gars. Ciao la famille.